Yo les gars, c'est Joe ici. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous pouvez voir que j'ai encore, parce que c'est la deuxième fois que je la tue, cette grosse pute. C'est de l'insulte, mais là, elle m'avait encore énervé. Mais cette fois, je l'ai pas fait normalement. Je l'ai fait en succès premier. Et croyez-moi, le succès premier avant, il était beaucoup plus simple, parce qu'en fait, avant, quand les bombes, en fait, elles tuaient les monstres ennemis, ça comptait pas pour le succès premier. Du coup, bah, enfin non, ça comptait. Non, ça comptait pas pour le succès premier. Du coup, bah voilà, on jouait comme une reine normale. Alors que là, non. En fait, en succès premier, si vous voulez, je dois carrément sauver les mobs pour éviter en fait qu'ils se fassent tuer par les bombes. Sinon, ça annule le succès premier. Du coup, bah, j'ai été obligé de tuer la reine en premier. Et bon, dès que ça s'est passé, parce que bon, il y a le Théristocrate qui me rush dessus avec sa bombe KOS, etc. Dès que ça s'est passé, c'est un peu plus simple, même si je dois vous avouer que j'ai quand même pris pas mal de dégâts, j'ai quand même fait pas mal de tentatives. Et bah du coup, au moins, ça me fait quoi déjà? Bah ça me fait juste 50 broderies en plus. C'est 40 millions les 10 en HDV, enfin c'est entre 30 et 40 millions. Donc on va dire plus ou moins 200 millions de plus de Kama en de fées. Tout ça en... Bon, c'est vrai que j'y ai passé hier. Hier, j'ai fait pas mal de tentatives. Et aujourd'hui, j'en ai fait quelques-unes, je crois 3 ou 4. Et puis voilà, c'est passé. Du coup, bah, tant mieux. Le succès collant, je sais pas si je le ferai. Peut-être. Tant que ça me ferait des broderies en plus. Ça coûte tellement cher, vous pouvez pas savoir. Si vous gérez une reine des voleurs avec ou sans succès, c'est énormément de kamas. Moi, par exemple, en 5 comptes, là, je vais me faire entre 150 et 200 millions de kamas juste pour une seule reine des voleurs. Et si vous faites un succès, bah, vous rajoutez hein, entre 300 et 400 millions. Si vous faites tous les succès, entre combien? Entre 450, je crois. Entre 450 et 500 millions, je crois que c'est ça. Donc voilà, vous pouvez juste vous dire que bon, si vous avez un tout petit peu d'acharnement à vouloir la gérer, bah, vous la gérez. D'ailleurs, bon, moi j'avais un truc assez inutile. Donc là, je leur ai laissé les alliés vols de la vie quand ils attaquent un ennemi emmêlé. D'ailleurs, je dois avouer que la reine des voleurs, il n'y avait plus personne qui l'a passé. C'est un peu comme le vortex, en fait, j'ai envie de dire. La reine des voleurs, on n'est vraiment plus beaucoup à pouvoir la gérer. Parce que la preuve, la dernière fois, il y avait 9 étoiles quand j'étais arrivé. Je crois que c'était hier. J'avais pour objectif, justement, de la battre. Et... voilà, mais sinon, bon, le thème aujourd'hui de cette vidéo, c'est pas du tout la reine des voleurs succès premier, non. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, donc ça c'est ok. Donc là, vous pouvez voir que j'ai bien avancé dans mes objectifs. J'ai vraiment. Bon, il me reste quoi? Le duotage du compte à rebours. Tiens, d'ailleurs, il y a Alostor qui m'invite justement. On va normalement aller le faire. Et puis l'ornement des justiciers. Que je compte faire après le duotage normalement. Du coup, bah là j'ai extrêmement bien avancé, j'ai tout fait. Et aujourd'hui, bah ça va être l'ornement baleine que je vais débloquer devant vous logiquement dans quelques minutes, juste après l'intro évidemment, comme d'habitude. Voilà, bon, sinon je crois que j'ai tout dit, c'était Joesty. J'espère que cette vidéo vous plaira et à la prochaine. Ciao les gars. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Joystick et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo assez spéciale car, enfin oui, évidemment, à chaque vidéo, je dis une nouvelle vidéo assez spéciale. Et et donc, bah, pourquoi elle est assez spéciale? Parce que j'ai enfin fini mes fucking quêtes. Quêtes free. Free Ghost, voilà, enfin, plus ou moins, il me reste une quête, là, je sais pas ce que c'est. Et là, il me reste ça, bon, je dois refaire le donjon... Protozoa, mais ça c'est rien de très méchant. Donc le travail c'est la santé, donc c'est la dernière quête qu'il faut que je fasse pour débloquer tout ça. Et en plus je débloque également... What? Non c'est pas ça. Et je débloque également ça, c'est l'heure de faire le compte. Et donc avec l'ornement, c'est sympatoche. Donc je remercie toutes les personnes qui étaient là. Bon là ils sont partis en fait. En gros la quête demandait d'avoir 8 forgerons. Enfin non, 5 forgerons et 3 sculpteurs.
En gros, c'était comment dire? C'était un forgeron des, enfin un forgeur d'épée, un forgeur de dagues, un forgeur de dagues, etc. Bref, voilà. Et ensuite, bah, il fallait un sculpteur de bâton, un sculpteur de baguette, je crois, je sais plus, et un sculpteur d'arc, bâton, baguette et arc. Et du coup, en fait, il fallait que les 8 personnes soient là. Et il fallait également que ces personnes soient niveau 100, donc maître forgeron, bref, voilà. Du coup, c'était assez galère, mais bon, moi, on va dire en une heure et demie, j'ai réussi à ramener, on va dire, toutes ces personnes. Donc, je tiens à remercier, bon, la première personne, bah, c'est Umba, déjà, qui m'a aidé, qui avait déjà 4 persos, je crois. En fait, de base, il a tous les métiers, mais il faut avoir 8 persos, en fait, dessus. Ensuite, je tiens à remercier Tidus de Sanguinaire, enfin non, mais il dit de l'appeler le Mush, parce que je crois qu'il est moche, c'est ça, le Mush. Ensuite, il y a également la personne, c'est qui? C'est Mortel Fortune. Donc un grand merci à toi également qui m'a aidé directement. Harod, merci à toi, une petite dédicace à toi également. Et le dernier, je sais plus c'est qui. Donc là, ça fait 5, 6, Harod et Mortel. Non, finalement, voilà, c'est bon. Du coup, merci à vous les gars, grâce à vous je viens de gagner 80 points de succès et surtout un bel ornement. Donc là, tout ça pour récupérer en gros une caisse, enfin un coffre. Ah, et puis voilà, d'ailleurs j'ai vu également que la vidéo du Xelorium vous a plutôt plu, car je l'ai bien défoncé, hein, je lui ai pété les fesses au Vortex. D'ailleurs, je tiens à préciser que nous sommes pas beaucoup à l'avoir géré. Il me semble que maintenant nous sommes 4-5 teams en fait à l'avoir géré sur le serveur Hercule, évidemment, hein, je compte pas tous les serveurs parce qu'il doit y en avoir plus. Nous sommes 4-5 teams à l'avoir géré. Et puis voilà, ça fait plaisir. Donc du coup là je vais donner le coffre à la mamie et puis je vais débloquer tous les succès tout simplement. Le duotage du compte à rebours, on verra. En fait, à vrai dire, il y a 3 SRAM avec qui je peux les faire, mais. Gilbert, c'est assez compliqué, il se connecte pas beaucoup. Ensuite, il y a Irda également. Je sais pas s'ils sont connectés. Ouais, donc Gilbert, il est connecté. Faudrait voir. Du coup, attendez, là, j'ai ajouté beaucoup de gars parce que c'était justement pour demander s'ils étaient dispo. Donc Gilbert, il est co. Ah bah, Irda également. Mais Allostar n'est pas co. En fait, c'est les 3 SRAM qui peuvent mais éventuellement m'aider pour le duotage du compte à rebours. J'aimerais vraiment le faire. Plus rapidement possible, montrer la caisse. Voilà, du coup, je monte la caisse. Accepter, c'est à ce moment-là que je vais débloquer tous mes succès. Et voilà, si c'est pas beau, ça. Hop, du coup, on va mettre ça. Ouf, je vais mettre ça là. Prends cette arme et fais-en bon usage. En gros, en fait, voilà. L'arme Wilkinson. En fait, si vous voulez, ce sont les dernières quêtes en fait de Free Ghost. Voilà, il me reste vraiment plus rien. Regardez, j'ai tout fait et là je me rends pas compte de tout ce que j'ai fait parce qu'il y avait des quêtes où j'étais bloqué et du coup bah j'ai persévéré. Il y a quand même des quêtes, c'est dégueulasse parce qu'en fait je vous explique, il y a des quêtes dans des quêtes dans des quêtes dans des quêtes. C'est-à-dire par exemple ici on peut voir, je sais pas, Bricole Girl. Et bah derrière en fait il y a par exemple 3 quêtes à faire qui ont rien à voir avec la quête. Bah c'est comme ça. Et puis enfin bref voilà, du coup j'ai tout fait, ça fait vraiment plaisir. Donc 10 734, on s'approche des 11 000. Que dire de plus? Bah pourquoi, d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi est-ce que j'avais que 10 700 alors qu'il me reste que des duotages entre guillemets hardcore. C'est parce que l'élevage. Tout simplement l'élevage, j'ai 400 points à prendre. 400 points à prendre, je sais pas si vous vous rendez compte. L'élevage, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de long. Est-ce que j'en ferai 8? Je pense trouver un jour. Enfin, un jour, je vais pas tout faire en un jour. Mais je pense m'y mettre sérieusement, acheter un grand enclos. Et puis, je vais pas me forcer à l'avoir. Enfin. On va dire que, bon, à ce qui paraît, ça rapporte des cas, etc. Donc je me dis, voilà, autant essayer de le faire. Par contre, de faire net 1000 montures. Je sais pas comment je vais faire ça. Je sais pas. Encore ça, bon, ça c'est une question de Kama. Je peux acheter. Ouh là là, il y en a beaucoup là.
Je peux toutes les acheter et puis essayer de les reproduire, ça me coûtait une fortune, juste énorme, ou bien je peux essayer de le faire moi-même. Et c'est ce que je pense, enfin c'est ce que je vais faire. Du coup les quêtes, je suis à combien de pourcents les quêtes? 93 mine de rien. Je m'en rends pas compte, mais j'ai quand même bien entamé le jeu, on va dire. Dimension d'ailleurs, le Dofus nébuleux. Bah, le Dofus nébuleux en fait, il me reste juste la quête de l'oiseau du temps. Que je ferai peut-être dans. Bah, je sais pas, ça dépend. Ça, je dois faire le donjon Kral Amour. La quête du Dofusok, je l'ai pas encore fait. Il va falloir que je le fasse également. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il me reste juste Frigost, voilà. Et puis également, Justicier que je ferai le plus rapidement possible. Voilà. Les monstres. Ah oui, ça va, il me manque également les monstres. Bah, là, il manque les monstres, justement, de la dimension Srambad. Et les monstres de la dimension Xelorium, je sais pas comment je vais faire. Je suis retourné pour parler au Vortex. Et malheureusement, j'ai eu le châle nomade et le châle Blitzkrieg. Donc, ça me dit rien. Ça me dit rien. Mascarade va être enlevée également. Donc, je sais pas. J'ai également fait quelques tentatives d'ailleurs de Juanida, succès statut, c'est largement faisable. C'est juste, bon là j'ai dû faire 3-4 tentats. La quatrième tenta elle était vraiment bien, sauf que à un moment il y avait l'autre là, c'était Voldemort en fait, il était venu, il avait fait son sort de merde là, et du coup malheureusement, bah quand je l'ai tapé, je me suis téléporter en fait à sa place, en gros on a été transposé tout simplement. Et puis bah du coup succès statut, bah c'était un petit peu mort. Alors l'arène des voleurs également succès premier, je compte le faire bientôt, sans doute cette semaine. Et puis un des deux là, ça doit être faisable. Voilà d'ailleurs, bah en parlant du succès, donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai débloqué ces petites merveilles. Des givrants imposants, des givrants honorables, et puis niveau Kama, ça va ici, là, 87 000. Un ensemble de, ouais, 250 000, et niveau XP, c'est plutôt pas mal également. Ce qu'on va faire, c'est évidemment juste screen la plupart du temps. Voilà. Donc, du coup, on va accepter. Voilà mon dégivreur honorable. Non, c'est dégivreur imposant. Il est pas classe, hein. Moi, je l'aime bien. Je trouve juste sublime. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez rare, on va dire. Parce que, on va dire que ces quêtes demandent beaucoup de persévérance, beaucoup d'acharnement. Et c'est ça qu'Ankama recherche chez les joueurs. Ils recherchent pas, ouais, des gens qui veulent full donjon, tout le temps donjon. Non, après, il y a également une partie de quête à faire, voilà, tout simplement. Bon, et eh bien écoutez, sinon c'était Joystick. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker. Si vous aussi vous avez cette baleine, likez dans les commentaires. Ça ferait vraiment plaisir. Voilà, c'était Joystick. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.